Et yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PVM sur le Star Temporis avec Lozamoda pour un petit duo autruche. Donc on est parti, on va se placer là. Ensuite, on va placer ce mob là, on va reculer un petit peu, se mettre ici, ça me semble pas mal. Elle nous fait quoi elle? L'autruche qui tape le cheval d'autruche, putain, on fait yesh. Je pensais qu'il avait pas la PO. Tant pis, on va mettre un petit move-tout, je pense. On va mettre un move-tout. Hop. Un petit move-tout noir dans le coin. On va se placer là. Et on verra. Alors, moins 116. Ça tape pas fort, hein, c'est petit-petit. Hein. On va se placer ici. 4 PM, il me reste. On va se remettre... Je pense qu'on va se placer en retrait, ici. Avec le 2 du, on va se placer là. Elle nous fait quoi elle? Ça tape le bouffe-tout, bon, pas grave. Le poison qui tape du 215 du coup, sur 12%. On va pousser le bouffe-tout. Un petit enchantement. Ensuite, on va se placer juste là, je pense. Seulement ici. Ce meuf qui est vraiment chiant, il a une PO aussi énorme. C'est plutôt casse-couille. J'ai pas encore le dodu. Attends, faudrait que j'aie le dodu pour dégager le gruche là, il va nous emmerder. Alors, j'ai le tofu noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai le chef Erfu. Bon, je sais pas si je invoque le chef Erfu. C'est toujours une invocation à la con qui peut troll et prendre des dommages gratos. On va le mettre. En plus, ça fait lancer donc impeccable. Très worse pour nous. Putain, il tape vraiment fort pour le coup. Il a cessé. Impeccable ça. On va le mettre en retrait. Moins 86, moins 94. Le move tout noir, bon, qui rush dans la mêlée. Ok, on va se mettre ici. Moins 137. Avec le 2 du. On va se rapprocher petit à petit. Elle. Ouais, elle m'a one shot, putain, hein, casse les couilles. Mob de mort, ça. On va taper feu. Il y a une belle ligne ici gratuite en plus. Donc on va booster. Là, on va booster les troupes, je pense. Un petit on se motive. On va passer. Alors il nous fait quoi? Alors il nous fait quoi? Putain, ça soigne l'autruche, ça soigne la... Bon, la gruche c'est pas grave, ça la soigne, je m'en fous. Moins 2, 100, ouais. J'ai mon dodu. Tofu noir, ensuite. Bon, j'ai rien à faire, hein. On va faire la petite canine pour tèche le tacle. On va focus l'autruche comme on a fait avant. On dégage la gruche. Bon, on la met vraiment en retrait. Hein. Faut vraiment la dégager le plus loin possible. On va taper deux fois avec le tofu noir. On va taper tout le monde. Le bouffe tout qui va faire quelques dommages ou pas? Ouais, il est encore avoir quelques dommages. Des fois R. 200, 200. Ça commence à taper. Hein. Faudrait que j'explose mon dodu. Je pense qu'on va le rapprocher petit à petit. On va se mettre ici. Skim le one shot. Ah, c'est bon, le pas one shot. Un petit stocker pour dégager la petite gruche, non? Après, ensuite. Néo placement, c'est pas le feu. On va se mettre un tranchantement ici. On va reculer, hein, là. Du coup, le bouffe tout qui va mourir ce tour-ci. Il va pas tanker l'autruche. Ça va passer sur le chevet d'astru maintenant, je pense. Faudrait qu'on prenne le moins de dommages possible ce tour-ci. Comme ça. Faudrait que ça passe full chevet d'Astruble. Pas de poison, parce que le Tofu Nord va mourir sinon. Ah, ils sont bas la race. Oh putain, un PV, ouf. Ouf. On va devoir rester là. J'ai pas du tout le choix. Inonde d'Aqua. On va mettre le Tofu Nord ici. Putain, je sais pas comment gérer le placement là. Je sais pas si on va la tomber maintenant. Sachant qu'il y a des mobs qui ont des poisons, enfin c'est la merde. Le noir. On va le taper, on va essayer de les cacher, hein. Faut qu'il retourne en retrait. Stofu, il a envie, donc impeccable, on va taper Loza. C'est pas grave. Du moins qu'il a le minimum d'HP pour tanker, c'est bon. 187. Stofu noir qui va mourir à cause du poison. Ouais putain. On lui fait des combien là? 374, 200. Est-ce qu'on se mettrait pas devant, quitte à mourir? On n'a pas le choix. Ça me le one shot, ouais putain. Il m'a one shoté deux dodus.
Ensuite. Ah, faut que je sois sûr de la one shot. Si je la one shot pas, j'ai la mort. J'arrête les boules. On va taper feu. Ok. On va plutôt se mettre ici. Normalement, on la tue. Sauf s'il y a un bug d'affiche. Non, impeccable. Il se passe des calls. 2 PA sur hall. Ouais. Là, on va prendre tarif. Et là, c'est là que la merde commence. Moins 113. Ah, c'est-à-dire qu'un tour. Bah, un tour. Ok. Le bouffe tout. Allez, let's go. Faut que ça tanque là. Faut emmerder l'autre. Faut emmerder la gruche. On va le mettre en gros en mode Grotta. Même s'il va se faire des pops, c'est pas grave. Après, ça se trouve, il a pas la relance tous les tours. Peut-être tous les deux tours, donc ça pourrait être pas mal pour nous. Parce que je pense que je vais le buter ce tour-ci. Hein, ouais, la gauche qui devrait mourir. Moins 135. 135. Ensuite. Ah, ouais, peut-être la T-Bop. Sauf si ce tofu tape vraiment peu. Ouais, dommage. 53 HP. Tant pis. Est-ce que c'est un one-shot? Dommage collatéraux. Bah, je crois que c'est un sort qui renvoie au corps à corps, si je me trompe pas. Enfin, qui renvoie tout court, une sorte de mort quoi. 25. On va balestra et on va essayer de la ramener. Ah putain, il l'a fait sur hall. Alors, ça dure combien de temps cette merde là? 2 tours en plus. Oh, fiche. Putain, puis ça tape hein. Elle fait quoi elle? Elle va ramener son cul vers moi, je présume, non? Non, ça va encore. Le petit de coco qui nous sert là. Là, il va carry, je pense, la game. On va stacker le maximum d'invocations pour que ce soit elle qui prenne les dommages. Faut qu'on tanque encore un tour si je me trompe pas. 2 tours même, oh là là. On va mettre le tofu ici. Le dodu, on va le mettre là pour casser un petit peu les lignes de vue. Pourquoi ce bouffe-tout a tapé mais pas lui? Ok, très bien. On va passer, on va se mettre là. On va passer ici. Mon cheval, je pense qu'on va essayer de mettre un peu en retrait pour qu'il attire les autres mobs. Oh putain. Il s'en fout, il chape. Il trace lui. Hein. Drago. Bon, j'ai relance du bouffe tout noir, donc pourquoi pas leur mettre un. Ouais, je pense, hein, ça me semble plutôt intéressant. Peut-être stacker même un petit chaffer ici pour gêner. La période détaclée. Enfin, ça serait bien qu'il détacle d'une case à la fin. Comme ça, mon bouffe tout noir, mon bouffe tout blanc irait dessus, mais non, ça peut être le programme prévu. On va se mettre ici. On va se placer là. Bon, après, il est bien coincé. La truche muche là qui est coincée comme tout. Elle a encore son sort de renvoi, donc on lui passera dessus au prochain tour. On va se placer là. Bon, alors lui, il fait quoi? Il va taper le bouffe tout noir et le chaffer fût, je présume, il est passé tout simplement. Non, c'est bon. Ok. On a la relance de l'union, donc on la relance. On va mettre un petit tofu noir. Ensuite, le petit plumeau qui fait plaisir. Qui tape pas mal, hein. 408, c'est toujours plaisant. On va taper 2 fois J. 500, ouais, c'est normal. Je vais faire fu qui. Là, il m'a troll. Putain, en plus, il me troll vraiment. Parce qu'il a crit dans forêt, il a fait la totale. 150. On le pousse. On fait du combien? Putain, le dodu qui tape. Bon, il aurait pu taper, sauf qu'il y a un bon bug d'affichage, dommage. Le ouf tout, 236, ouais, c'est trop peu. On va se heal. On va taper 2 fois terre. Un petit balestra. Pour vraiment maximiser le heal, hein. On est passé de 270 HP, je crois, à 500. C'est pas négligeable si on doit tanker encore un tour. Il fait quoi, lui? Ok. On s'en dresse partout. Bon, combien? Voilà, ça va du retrait PAPM, OZEF. Tofu. On va peut-être piqûre le dodu, je pense. Non? On va le piqûre, comme ça il pourra partir directement sur la truche, truche machin là. Truche team. 109. Le dodu qui va sûrement cleaner la truche muche, non? Voilà, ça dégage. Allez, suivant. Et là, on go, bah. On go sur le truche time. C'est parti pour le rush et la finir. Ensuite, bon, le chauffeur fût, je pense qu'on va le dépop. Un petit rappel, ça dégage. Il m'a servi juste à bloquer notre mob de tout à l'heure. Maximum les dos, moins 207. Ouais, pas mal. On fait du combien? 157, on va pas le tomber ce tour-ci, on le tombera au prochain tour. 11 tours, bon, c'est pas fou, mais bon, c'est plutôt bien passé. On va rester ici. On peut même détacler, mettre un petit Octavaris grâce au tofu qui enlève du tacle. Ça nous fait quoi ça?
Ouais. Est-ce... Je pense qu'on a ce plumeau pour le finir. Ouais, plumeau et double canine et basta. On le tue. Impeccable. Et du coup, parfait, hein, ça va nous donner un petit peu d'XP. On a fait qu'on a droppé quoi? Ouais, un truc qui vaut rien. On va aider le succès truche, qu'on a fait le succès. Tiens, quel succès? Je sais pas lequel. Ça vaut combien de kamas ça? 5000, 60. Bon, c'est toujours quelques kamas avec un peu d'XP. Impeccable. Du coup, c'était Keys. J'espère que cette petite vidéo sur Tom Paris vous aura plu. Et je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!